Tout le monde, avant de continuer la vidéo, je t'invite d'abord à t'abonner parce que ma chaîne elle est bien, et si elle est bien, et même que bah, si t'aimes bien les jeux vidéo et puis l'histoire, je t'invite aussi à liker et à partager avec plein d'amis parce que plus on est de fous, plus on rit, comme je dis toujours. Et surtout, pense à appuyer sur la cloche pour recevoir une notification lorsque je fais un live ou qu'il y a une nouvelle vidéo qui se met en ligne. Sur ce, moi je te dis bonne journée et pense à partager sur les réseaux sociaux comme tu sais déjà le faire. Merci à toi, à la prochaine. Salut à toutes et à tous les amis, c'est Gamer88, on se retrouve pour une vidéo, let's play partie 3 de Wario Land The Shade Dimension sur Wii. Si vous n'avez pas vu les épisodes d'avant, je vous laisse aller les voir et ils seront sur ma chaîne. Vous cherchez un peu, vous trouverez. Sinon, au pire des cas, je vous mettrai l'épisode d'avant à la fin de la vidéo, comme ça vous pourrez cliquer dessus tout simplement. Donc on va continuer, on avait commencé le premier niveau la dernière fois, on avait fait les deux premières étapes, donc il en reste 3 avant le boss. Du coup on va attaquer ça, donc c'est parti. Ça va être un peu plus difficile parce que là j'ai 4 missions. Terminer avant que le compteur n'atteigne 1 minute 45. Terminer le niveau sans perdre d'énergie. Ramasser 30 000 pièces. Terminer le niveau sans tomber dans l'eau. Ok, donc ça veut dire qu'il y a de l'eau. Mais est-ce qu'on se noie quand on touche l'eau? Eh bien ça, on verra bien. Surprise, surprise. Ah ben voilà, j'ai déjà raté une quête. Ah, je peux faire Tarzan. Yahoo! Je m'étonne avec son gros boule, à chaque fois ça fait balle en sourd, tu sais. Ah non, je peux pas y aller comme ça. Allez, donc, on va essayer. Il arrive à taper dessus. Oh bah non, il peut voler partout. Ah si, ça va. Je peux. Mais là, je vais tomber dans l'eau. Non, ça va. Hop là. Hop. Non. Là. Là, on fait Tarzan. Et voilà là-bas. Hop. Et voilà. J'aime bien faire Tarzan. Je vais mettre un peu plus bas pour prendre plus d'élan. Ah non, je peux pas y aller. Hop. Eh, c'est dur de pas tomber dans l'eau. Hein. On va aller là parce qu'il y a peut-être un bonus. Je sais pas si je vais pouvoir y aller jusque là-bas. Ça me paraît loin quand même. Eh bah oui, mais si tu sautes pas, Wario, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi, moi? Bon bah, on recommence. Allez. Et comme Koh-Lanta, si tu rates l'épreuve, ben tu recommences. Faut pas tomber dans l'eau, tu recommences tout depuis le début, sinon. Ouais, ça passe pas. Je vais réessayer quand même. Mais cette fois, on saute en dessous de la plateforme parce que tout à l'heure, il a pas voulu sauter. Ah si, ça marche. Hop là. Oh, un tuyau. Je vais peut-être avoir un coffre. Vache. Bah y'a rien.
Mais que dalle, c'est sûr, je prouve. Oh non, j'ai pas réussi à y aller. Bon, tant pis. On va réessayer une fois. Allez. Parce que ce qui est bien, c'est que les ennemis ils reviennent quand tu portes comme ça. Non. Ah, j'aurais pas foiré. On a vu, je dois attendre qu'il soit assez haut. Ah, mais il le reprend toujours systématiquement. Voilà, on est la T2. Ouais, c'est une dernière fois, et puis si j'arrive pas, ben. On partira. Mais après, je pense qu'à un moment donné, dans le jeu, il faudra que je revienne pour rechercher ces trésors là. Alors, je sais pas si c'est un bonus ou si c'est indispensable. Bon, faut le choix à la longue. En attendant, on va continuer notre petite escapade. Merde. Et voilà, sans tomber si possible, c'est déjà fait. Alors, on va se mettre bien au bout parce que, comme ça, on prend plus d'élan. Et à mon avis, c'est qu'on s'éclate la gueule en bas. Hop, 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 ah, c'est allé, hop. Non, je peux pas casser ça avec mon gros cul, je veux pas. T'as dit gros cul? Non, pas moi, je vous jure. Ah non! Bon, bon, on recommence. J'ai raté quelque chose. Plus rien. Il y a des trucs là-haut, mais. J'ai raté plein de choses, là, des pièces et tout, la totale, quoi. Mais c'est pas grave, on continue. On reviendra une autre fois s'il faut. Et je pense qu'il faudra. Ce serait trop simple de finir le jeu comme ça. Vu qu'on est que. Pour la fin du premier niveau, ben. Mais je pense qu'il faudra peut-être un certain nombre d'étoiles pour pouvoir affronter le boss. Ça doit être ça. Ah ouais, d'accord. Il faut que je saute depuis là-haut. Allez. On peut le faire, Waleyo. On peut le faire. Non, attends. Hé, hey, rattrape pas. Hey. Je voulais pas lâcher la corne. Voilà. Tiens, c'est quoi ça? De rien, hop, comme ça c'est fait, hop, hop, voilà, et y voici, ok, non, je vous casse tout, les petites flèches là, ça me fait beaucoup penser à Sonic, c'est con hein, mais, aïe, encore qu'on prenne de l'élan d'après ce que je vois. Voilà. Aïe! Là j'ai dit que j'allais mourir, mais non, ça va. C'est pas comme Mario, si tu te fais coincer, t'es crevé. C'est moins rageant que Mario en fait, c'est même limite agréable, tu crèves pas tous les à chaque niveau parce que t'arrives pas à le faire. Là t'as vraiment le temps de t'adapter, bah si tu meurs ça peut arriver, mais c'est pas abusé comme dans Mario où dès que ça devient compliqué tu crèves 15 fois sur le même niveau. Donc malheureusement on peut pas y jouer à deux, c'est pas un jeu multijoueur. C'est bien dommage parce que c'est un bon jeu. Merde. Waouh! Senti la puissance du cul de Wario. Non, là, c'était bizarre. Mais c'est un petit peu ce qui vient de se passer. Je pense que c'était bien résumé dans les règles de l'art. Ah.
peux pas y aller là. À mon avis, il va falloir débloquer des trucs au fur et à mesure pour pouvoir passer ces trucs là. Les machins rouges. Ah, je vais pouvoir aller par là. Je ne sais pas comment. Mais de pouvoir aller à un moment donné. Il y a peut-être un objet qui te permet de rapetisser dans Mario. Parce que pour le moment, j'ai vu pas mal de clins d'œil, il y a plein de jeux. Notamment à Zelda avec les petits cœurs et la boutique. C'est peut-être lui qui va me permettre de. Non, ça marche pas. Aïe, il est fait fesse. On y va. Là, j'ai lu. Là. Non, ça veut pas. Ouais, donc je disais, il y a eu pas mal de clins d'œil, il y a beaucoup de jeux. Super Mario Land 2, parce que tu peux prendre des personnages et les lancer. Ah non, je le jette là-haut. Bon bah ça veut pas. J'avais pas vu, fallait que je descende dans la cascade en fait. D'accord. Oh là là là. Bon bah j'ai pas les yeux partout. Hein. Et donc je disais, le jeu ressemble à Super Mario Land 2 dans le fait qu'on peut lancer des ennemis et tout ça. Et j'adore parce que moi, Super Mario Land 2, c'est vraiment mon Mario préféré. On va peut-être crever là. Il y a beaucoup de clins d'œil à Zelda aussi, notamment avec les petits cœurs et les cœurs de vie. C'est pas comme dans Mario, tu te fais toucher, tu rapetissis et puis il faut remanger un champignon pour grossir. Non, là c'est vraiment, t'as une barre de vie, chaque fois que tu te fais toucher ou qu'il t'arrive une merde, ben tu perds, merde, je vais refaire la même connerie. Tu perds un demi-point de cœur, un demi-cœur. Et il y a aussi une référence à Donkey Kong, notamment avec les canons. Ça me fait vraiment penser quand t'as des canons à... Bah, au tonneau de Donkey Kong en fait. Oh, mais je vais pas y arriver. Hein. Aïe, aïe, non. Voilà, il me reste un demi-cœur là. Je vais peut-être mourir. Mais on va tout faire pour. Enfin. Pour ne pas crever. Et voilà. La fin de Wario. J'ai embroché le. Derrière sur des pics. Vous voyez, troisième étape du premier monde, et ben je meurs. C'est pas grave. On recommence tout. On va essayer de le finir ce niveau. Ça va pas être hyper simple. Mais vu que je recommence, est-ce que ça. Est-ce que ma quête reprend en zéro? Je pense que ouais. Oui, voilà, j'ai perdu moins de pièces que tout à l'heure. Après, l'avantage, c'est qu'une fois que tu l'as fait, le niveau, tu le connais, et voilà. Donc, tu sais où tu dois faire gaffe. Mais il faut que je réussisse à passer ce niveau avec les cordes, là. J'ai pas compris, mais bon, on va y arriver. Santé des lèvres, c'est plus difficile, les niveaux sont plus longs. Dans mes deux premiers let's play, bon, il y avait la intro et tout ça. Dans le deuxième let's play, j'ai réussi à faire deux niveaux en 20-25 minutes. Et là, on va arriver bientôt à 20 minutes de jeu et j'ai pas réussi à finir le premier niveau. Du coup, ça va se corser bien un petit peu maintenant, je pense. Il y aura toujours une petite. Un petit défi, un petit truc. Tiens, je vais prendre le sac là. J'essaie de récolter un maximum de sous pour débloquer les mondes d'après. Alors là, ouais, il fallait que j'aille là-bas. Je vais essayer de pas toucher l'eau, hein.
Bon après, est-ce que ça compte avec les pieds, je sais pas. Mais le but c'était ne pas tomber dans l'eau. Là que j'avais pas réussi à aller la première fois. Voilà, on est riche comme ça. Donc, on continue. Ah non, il faut que je redescende en bas, que je reprenne le canon normalement. D'accord. Allez, c'est parti. Yahoo. Et voilà. Super. Comment on dit quoi ça ? Le bas ? Ah putain. J'aurais peut-être dû essayer de sauter, peut-être que ça aurait été aussi simple que ça. Mais ça me paraissait loin en fait. Le niveau fort. Alors là-bas, hop, oh, j'ai bien fait d'y aller. J'avais pas trouvé ça tout à l'heure. Voilà, j'ai vraiment récolté pas mal de sous. Ah non, dommage. En fait, là-dedans, les ennemis que tu rencontres au sol, ils sont plus, ils te servent plus à quelque chose que te faire du mal en fait. Enfin, après, je sais pas, j'ai pas rencontré peut-être tous les ennemis, mais c'est assez merde. Oh, putain. Bon, maman, tu n'es pas actif pour ce monde, hein, t'es dans le caca. Hop là, hop là, voilà. Vous voyez, les ennemis me poussent, mais en fait ils me font pas de mal. Hein. C'est quand ils me touchent, voilà, ils me poussent, mais ils me font rien du tout. Bien, c'est comme ça. Voilà. Ah, là par contre, il va falloir que je prenne un ennemi. Voilà, je vais tour 10. Il le prend automatiquement. C'est pas comme dans Mario, pour qu'il le prenne, j'ai pas besoin de toucher quoi que ce soit comme tout. J'ai juste besoin de sauter dessus. Du coup, si elle est tour 10, ça le tue pas comme dans Mario. Il y a vraiment une grosse différence entre Mario Bros et Wario Land, pour ceux qui étaient curieux de le savoir. C'est vrai qu'en fait, à part le fait que c'est un jeu de plateforme, il n'y a pas beaucoup de rapport avec Mario en fait. Hormis le fait que ce soit le rival. Mais il n'a pas du tout les mêmes caractéristiques, bruit, les tapons au sol, bon, si à part le fait que voilà, il utilise son cul pour passer les cailloux et puis qu'il passe dans des tuyaux. Mais c'est vraiment le seul clin d'œil à Mario qu'il y a. Merde, j'ai pas réussi à faire la touche à temps. Et je crois que voilà, Nintendo a fait ce jeu en faisant plein de clins d'œil à pas mal de jeux. Et je sais même pas s'il a été beaucoup vendu parce que le fait que qu'il soit rare aujourd'hui, je me demande si c'est un jeu qui a vraiment marché à l'époque. Ou peut-être qu'il a été très peu édité, du coup il est assez compliqué à trouver. Parce qu'il faut savoir que les jeux pas courants ou rares, il y a deux sortes de possibilités. Soit c'est un jeu qui a pas très bien marché, les gens l'ont pas acheté à l'époque, du coup il est pas bien trouvable, il est pas commun du tout. Donc du coup il vaut des sous parce qu'il est pas courant. Soit c'est un jeu qui était très bon. Il a été très peu édité et du coup ben il est dur à trouver également parce qu'il n'y a pas beaucoup de versions en fait, il n'y a pas beaucoup d'éditions du jeu. Donc voilà, ça dépend des jeux. Après je pense que Wario Land, ça devait être un jeu quand même qui était pas mal édité, au moins autant
qu'un Mario Bros, mais il faut dire qu'à l'époque de la Wii, il y a eu pas mal de déceptions. Du coup, les gens ont peut-être évité d'acheter Wario parce qu'ils se sont dit, ouais, en gros, c'est comme Mario, quoi, on va pas le prendre, c'est la même chose. Mais en fin de compte, après y avoir joué bientôt une heure en réunissant tous les let's play, je me rends compte qu'il n'y a pas grand chose à voir avec Mario. Ça reste dans l'univers de Mario, le royaume champignon et tout. Sauf que là, c'est même pas le royaume champignon, c'est juste une dimension. Voilà. Comme son nom l'indique. Il n'y a pas beaucoup de références à Mario, à part les tuyaux et. Vous n'avez pas l'étoile, les champignons, les fleurs de feu, les écureuils, là, c'est quoi, les tanuki, voilà, il n'y a pas ça. Non, c'est pas du tout le royaume champignon. Bien, je crois que je vais y arriver. Hop, on descend. Parce que là, bon, bah, c'est rien que je descende en fait. J'ai juste à rebrousser le chemin, de toute façon, j'ai trouvé le gars qu'il me fallait. Bébête là, je sais même pas comment il s'appelle, ils l'ont peut-être dit mais j'ai pas lu. Je suis occupé à parler. Ouais, donc on va prendre les shakes. C'est des shakes, ouais, peut-être c'est des shakes pas maléfiques. Alors et donc, si un jour vous croisez Wario de chaque dimension sur lui et que vous trouvez vraiment pas cher, c'est-à-dire moins 20 euros ou moins, prenez-le parce que c'est un jeu qui est pas courant. Je peux pas vous confirmer qu'il prendra de la valeur, mais en tout cas, vous aurez un jeu pas courant dans votre ludothèque et c'est plutôt bien d'avoir un jeu pas courant. Et ma foi, pour tous ceux qui le recherchent, non, je ne compte pas l'échanger parce que c'est. C'est un jeu pas courant. Donc voilà. Et j'ai pas beaucoup de chance là-dessus en général. On a du mal à trouver. Après, qui dit jeu pas courant, en général, on a toujours du mal à le trouver. Ou alors il faut aller sur internet et il faut le payer hors de prix. Non, moi ça m'intéresse pas. Voilà. Donc on a réussi à finir ce niveau qui était pas facile du tout. Mais j'en ai même bien chié. D'habitude je fais deux niveaux mais là ben, j'en ai fait qu'un. Et je pense que ça va plus devenir comme ça dans mes futurs let's play. Je vais faire niveau par niveau parce que ça va être compliqué. À moins que. Voilà. Niveau pyramide, sordide, il ne devrait pas être trop difficile. Ah ok, il y a des couleurs, alors là c'est bleu. Bleu ça veut dire que c'est facile, il ne devrait pas te causer de problème. Là ça doit être difficile, tombeau celui-ci est très difficile. Ok, bah, la prochaine fois ce qu'on fera, on va faire ce niveau là. Et voilà. Je vous dis à la prochaine, salut à tous les amis, et j'espère que ce let's play numéro 3 sur Wario Land The Shade Dimension vous aura plu. Je vous dis à la prochaine, et j'espère que ça vous plaît de suivre ce petit jeu fort sympathique avec moi. Si c'est le cas, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, pensez à liker, à partager, à vous abonner, c'est gratuit, ça coûte rien, et moi ça me fait plaisir. Salut à tous les amis et vive les jeux vidéo !